Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Disney spécial. Ça fait des mois et des mois que je garde des objets comme ça de côté, mais il était temps que je vous fasse un haul et je me suis dit que ça vous donnerait peut-être des idées justement de cadeaux de Noël, etc. ou d'achats en tout genre d'ailleurs. Je mettrai la majorité des liens en barre d'infos. En tout cas, tout ce qui est toujours disponible à l'heure actuelle puisqu'il y a des achats qui datent un petit peu, j'avoue. On est parti! Je vais commencer par les achats AliExpress puisque j'ai pas fait trop de folie pour une fois, enfin pas trop. Alors, j'ai tout d'abord craqué sur cette jupe que je vais vous montrer en close-up d'ailleurs, puisque j'ai fait des close-up pour une fois. Merci à ma copine. J'ai craqué sur cette jupe Steamboat Willie, donc vous avez les images du premier court-métrage Disney sur lequel j'ai complètement craqué sous forme de bande comme ceci. Donc vous avez Mickey, Patte Impulaire, etc. Quoi? C'est comme une pellicule. J'ai dit quoi? T'as mis une bande. C'est une pellicule. Joli coup de cœur pour cette jupe. Et j'ai craqué sur trois colliers. Bon alors là, je vous l'accorde, ça ne ressemble à rien. Mais donc, je vais vous les montrer de plus près de toute façon. Donc vous avez trois colliers. Donc vous avez celui de Mary Poppins avec marqué Practically Perfect in Every Way. Face, Trust and Pixie Dust. Donc pour Peter Pan et donc la fée clochette. Et le troisième, Have Courage and Be Kind. Et en fait, ce sont trois colliers avec à chaque fois des petites amulettes, des petites breloques autour. En fait, ce sont des citations de films. Et je me suis dit que ça me servirait pour mes Disney Bundies. Ça fait une petite touche de plus et ça aidera peut-être à reconnaître encore mieux les personnages, qui sait. Donc voilà. J'ai également fait quelques folies à Primark. Donc j'ai craqué sur ce pyjama que vous ne voyez pas forcément, mais que je vais vous mettre en close-up pour que vous ayez plus de détails. Donc c'est un pyjama des Aristochats avec Marie et marqué Miaou. Comme vous le savez, je suis une cat personne. J'aime les chats et je l'assume. J'ai également craqué pour deux petits t-shirts. Vous connaissez mon amour pour Mickey et je vous ai jamais menti, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai craqué sur ce t-shirt Love More Dream Big, donc avec Mickey, un t-shirt très classique mais que j'aime énormément. Vous avez également celui-ci, et ça c'est un véritable coup de cœur. Donc vous avez Mickey avec Follow My Stars, t-shirt gris avec une petite poche, voilà comme ça, que j'aime également beaucoup et que je pense fera très bien avec mes petits looks Disney. On va passer à mes t-shirts undies, avec celui-ci. Bon alors oui, c'est pas Disney, mais j'aime également beaucoup Bob l'éponge, et le je peux pas japonais, ça m'a fait trop rire. Donc voilà, j'ai complètement craqué. Et vous avez également celui-ci qui est là pour moi un gros coup de cœur avec Mickey Saved My Life comme ça, avec des espèces de petits badges dessus, donc c'est vraiment la mode en ce moment. Attention si vous craquez pour ces deux t-shirts car ils sont plutôt transparents. Voilà. Je continue mes achats mode avec mes achats Forever 21. Il y a quelques mois dans mon actualité Disney, je crois que c'était juillet. Oui, ça remonte à quelques mois ces achats-là. Vous avez parlé d'une collection Forever 21 en collaboration avec Pixar. Ils ont sorti différentes pièces sur lesquelles j'ai eu des coups de cœur, et celle sur lesquelles j'ai le plus craqué, c'est ce body Toy Story que j'aime beaucoup, qui reprend donc le logo du film. Vous avez également, et là c'est un véritable coup de cœur, d'ailleurs vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, il y a certains abonnés qui avaient relevé ce petit haut, un espèce de maillot du monde de Dory avec tout un tas d'insignes, etc. Vous allez pouvoir voir tous les détails en close-up. Alors j'ai aucune idée de si ces pièces sont encore disponibles sur le site de Forever 21. Si c'est le cas, ça vaut peut-être le coup d'attendre jusqu'à janvier, parce qu'à mon avis, si c'est toujours là maintenant, mais bon j'en doute quand même, vous aurez sûrement des soldes dessus. Et enfin, je vais terminer ma longue liste de vêtements Disney avec deux t-shirts que j'ai achetés sur le Disney Store. En fait, au mois d'août, j'étais en vacances en Italie et au Disney Store de Rome, je me suis acheté deux t-shirts que j'ai eu en promo à 8,50€. Alors je sais pas s'ils sont encore disponibles, je pense que c'est le cas. J'ai eu deux coups de cœur. Donc vous avez ce t-shirt d'Alice au Pays des Merveilles. Alors oui, je suis pas hyper fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais je trouve celui-ci magnifique avec le dessin. Et j'ai eu également un énorme coup de cœur pour celui de La Belle et la Bête, avec un joli message, un joli design, très adulte, très sympa. Voilà pour mes achats vêtements. Comme vous pouvez le voir, j'ai une garde-robe Disney assez fournie. Et c'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Donc on va passer maintenant à la partie livre avec trois livres. Les trois m'ont été offerts pour mon anniversaire, mais un je l'ai eu en octobre. Et ce sont trois belles découvertes. Vous avez en tout premier la nouvelle La Reine de Neige, Un cœur de glace, qui est écrit d'un point de vue assez nouveau, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, je vous avoue, mais qui me fait très très envie puisqu'il faisait partie de ma wishlist. Vous avez également Disney, le guide visuel ultime, qui est un livre en français dont je ne connaissais pas l'existence. Ça m'arrive très peu souvent, mais là j'avoue que j'étais vraiment surprise. Un cadeau surprise pour moi, j'étais vraiment au comble du bonheur, parce que c'est un membre de ma famille qui sait que je suis fan de Disney, et si elle passe par là, je suis fan. Gros coucou et un gros bisou. Parce que j'en ai feuilleté, parce que je me suis pas encore vraiment plongée dedans. J'ai vraiment aimé le contenu du livre, les illustrations,
Et je pense que c'est un très très beau livre. Je pense que ça peut être une très 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 belle idée de cadeau pour Noël. Il me semble qu'elle l'a trouvé chez Cultura, donc voilà. Et le dernier livre, A Wish Your Heart Makes, qui nous parle de l'évolution de Cendrillon du film d'animation de 1950 au live action de 2015. Alors là c'est un livre en anglais, mais je suis une grande fan de Cendrillon, donc je devais l'avoir dans ma collection. C'est un livre dans lequel j'ai vraiment hâte de me plonger et de découvrir les secrets. Alors comme je vous le disais, j'ai accumulé vraiment pas mal d'objets ces derniers mois pour vous les présenter dans ce haul. J'ai profité de la fin de Disney Privilège pour m'acheter quelques DVD avec mes points, et donc j'ai pris tout plein de Phineas et Ferb. Donc on peut pas dire que je suis pas fan du dessin animé, hein. Vous avez des agents très spéciaux, Phineas et Ferb fonce, Phineas fonce, et les rois de l'inventive été. 3 DVD pleins de mini épisodes qui sont très sympas, et d'ailleurs j'en attends un quatrième, j'ai vraiment hâte de le recevoir pour le compléter dans ma collection. C'est la carte Neverland de mon amie Morgane Barret, qui est une illustratrice que j'aime énormément. Je vous mettrai son Etsy dans la barre d'infos. Elle fait des images assez magnifiques, et donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette carte du pays imaginaire qui a été dessinée par ses soins et qui met en scène donc tous les personnages du film. Et enfin, un autre cadeau qui m'a été fait par une amie il y a quelques mois mais que j'aime beaucoup, c'est cette illustration donc de Mickey Mouse, qui est très sympa, on dirait qu'elle est faite à la peinture. En tout cas c'est un cadeau plutôt sympa et original. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour moi pour ce haul spécial Noël. J'espère que ça vous aura donné des idées d'achat à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre achat favori, celui qui vous fait le plus envie. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé des close-up, donc des moments où je vous montrais les vêtements portés, parce que ça m'a demandé quand même pas mal de travail et j'aimerais vraiment avoir un retour dessus, savoir si ça vous intéresse que je continue ou si présenter les vêtements comme ça, ça vous suffit. Je serais vraiment heureuse d'avoir un retour là-dessus. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si vous êtes content de revoir des hauls, à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la vidéo de demain, ma Disney Army, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.